Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Cette présentation est la seconde de la série « Les enfants et leurs parents extraterrestres ». Elle partage avec vous un événement qui s'est produit sur Terre en février 2016 et qui m'a été raconté par mon contact principal extraterrestre, Zen, au début de l'année 2017. Au premier abord, et perçu du point de vue terrestre, il s'agit d'une histoire d'abduction classique qui a les mêmes caractéristiques. Deux UFO restent immobiles au-dessus d'un bateau de pêche pendant une quinzaine de minutes. De loin, on voit l'un des vaisseaux se rapprocher. Cinq ou six personnes sont montées en lévitation dans le vaisseau et puis d'un seul coup, l'UFO disparaît. La secours en mer dépêchée sur place ne retrouveront ni le bateau ni les pêcheurs. Tout le monde, les voisins, les amis et la famille pleurent ces personnes en pensant qu'ils se sont noyés et qu'ils ont disparu en mer. Mais, oh, énorme surprise, lorsque, quelques jours après, quatre pêcheurs sur les six qui étaient présents dans le bateau frappent à la porte de chez eux et disent « Nous voilà, si vous saviez ce qu'il nous est arrivé !» Et après avoir retrouvé tout le monde, ils commencent à raconter à leur famille éberluée qu'ils ont fait naufrage et alors que le bateau allait être avalé par les flots, ils ont été sauvés par des extraterrestres qui leur ont fait passer des tas de tests médicaux avec des machines étranges, qu'ils ont vu un monde extraordinaire dans une ville flottant dans l'espace, que la Lune n'est pas ce qu'elle paraît et que ce sont ces mêmes extraterrestres qui les ont ramenés chez eux. Les membres de leur famille, pensant que les pêcheurs avaient subi un horrible traumatisme pendant leur naufrage et qu'ils déliraient, les écoutent avec amour et bienveillance, un sourire aux lèvres, trop contents de les revoir vivants. Les pêcheurs ont beau insister, personne ne les croit, mais eux savent bien ce qu'ils ont vu et qu'ils disent la vérité. Ils savent dorénavant que les extraterrestres existent et qu'ils évoluent autour de la Terre dans une ville flottante. Leur vie est complètement et définitivement changée, un souvenir qu'ils garderont jusqu'à leur mort. Pour les experts en ufologie, ce n'est rien de nouveau. C'est un cas classique d'abduction. Les personnes cibles sont enlevées par lévitation grâce à un rayon tracteur jusqu'à un vaisseau qui les emmène où ils subissent des tests médicaux. Puis, soit ils sont ramenés sur Terre, soit on ne les retrouve jamais. Comme le signale l'auteur américain David Paulides, des personnes ou de nombreux enfants disparaissent dans des zones extrêmement précises aux USA, notamment dans les parcs nationaux. On les retrouve quelquefois complètement hébétés, ayant perdu la mémoire et se demandant ce qu'ils font là où ils ont été retrouvés, quelquefois plusieurs kilomètres du lieu de leur enlèvement. Je m'appelle Tim de Space News. Nous allons étudier deux cas de ce type d'enlèvement pour les percevoir, non plus du point de vue terrestre, mais du point de vue des extraterrestres qui en sont à l'origine. Celui d'une jeune fille de 12 ans à laquelle j'ai donné le surnom de Talia, et dans la vidéo numéro 4, le cas très mystérieux de Bruno Borges. Voici donc ce que m'a raconté Zen pour ce qui concerne Talia. Je précise, comme je le fais à chaque fois, que la voix que vous allez entendre n'est pas celle de Zen, mais la mienne, mais que celle de Zen est très similaire. Cette communication a été faite en anglais,
et je l'ai traduite en français pour ceux et celles d'entre vous qui ne le comprennent pas et pour que vous puissiez en prendre connaissance. Zen, mars 2017. C'était en fin d'après-midi, au début du mois de février. Ce devait être avant le 10 février 2016. Deux de mes amis pilotes effectuaient une mission CAP, patrouille aérienne de combat, dans leur vaisseau spatial en volant côte à côte. Ils volaient au 310e degré nord-ouest. Ils se situaient au-dessus de l'océan Pacifique à une altitude de 25 000 mètres ASL, altitude au-dessus du niveau de la mer, vitesse d'environ 600 nœuds, juste en cabotage, ils finissaient leur temps de patrouille en voie libre et s'apprêtaient à rentrer à la base sur le cosmoport andromédien Viera. À cette époque de l'année, l'océan Pacifique Nord est très froid et orageux, mais au cours des derniers jours, il avait été exceptionnellement calme, si calme que c'était un record d'absence de tempête pour le Pacifique Nord. Pourtant, dans cette zone, la mer n'est jamais vraiment calme et il y a souvent d'énormes vagues. Il y avait une couverture nuageuse épaisse, du vent et de la pluie sur toute la région. Les deux pilotes ont entendu un appel de détresse d'un bateau de pêche sur leur radio de bord qui ne pouvait plus manœuvrer dans la mer agitée. Ce n'était pas une tempête. La mer était juste lourde, brumeuse, froide et pluvieuse, comme c'est généralement le cas dans cette région, située entre le Kamtchatka et les îles Aléoutiennes. Le bateau de pêche envoyait un signal SOS, Mayday, Mayday, SOS, essayant désespérément de se faire entendre par quelqu'un. D'après ce que les deux pilotes pouvaient comprendre, le navire prenait beaucoup d'eau. Il avait perdu son gouvernail et son moteur de propulsion, et il était déjà à un stade très avancé de naufrage. Puis ils entendirent « s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, j'ai un enfant à bord, encore et encore ». Tout extraterrestre doit suivre les règles de la directive première, et ils n'étaient pas censés intervenir. Mais ils ont quand même décidé de descendre à 1000 pieds, et ils s'élancèrent en mode supersonique en direction du navire. Lorsqu'ils arrivèrent, quelques minutes plus tard, ils virent le petit chalutier de pêche de 20 mètres de long et 95 tonnes à moitié sous l'eau, qui luttait pour rester à flot dans les fortes vagues. Le bateau n'avait plus de mât et il était bousculé et ballotté comme un petit jouet sur les vagues. La lumière du jour diminuait, c'était le crépuscule et ses feux de navigation étaient toujours allumés. Seule la proue à l'avant du navire était au-dessus de l'eau. Ils n'ont pas vu de canot de sauvetage gonflable, mais deux containers étaient vides qui devaient en contenir. Ils avaient manifestement essayaient de les déployer et la mer les avait emportés. Mes deux amis pilotes positionnèrent leurs vaisseaux spatiaux à environ une centaine de mètres juste au-dessus du chalutier et ils virent qu'il y avait six personnes à bord, cinq hommes et une petite fille. Deux des hommes essayaient de sécuriser un panneau sur le pont qui s'était ouvert et deux autres essayaient de remettre la pompe en marche pour évacuer l'eau qui s'accumulait à l'intérieur du bateau. À la radio, les deux pilotes extraterrestres entendirent qu'il y avait encore un cinquième homme, le capitaine du chalutier, qui semblait gravement blessé. Il tenait sa fille, une jeune fille de 12 ou 13 ans. Les deux pilotes, confortablement installés dans leur cockpit, se rappelèrent que selon la directive première, ils n'étaient absolument pas autorisés à intervenir. Mais ils durent se rendre à l'évidence que ces six terriens allaient périr et leur bateau être englouti par la furie des vagues.
L'un des pilotes mit ses mains sur son écran holographique, en face de lui, en les plaçant de telle manière que le tube de son rayon tracteur, le rayon de téléportation, englobe au moins le capitaine et sa fille. Il pouvait voir le chalutier se découper en 3D sur un fond bleu et à l'intérieur, les silhouettes des 6 personnes en rouge. Avec ses 2 mains, il déplaça le cercle central, ciblant la zone couverte par le tube à gravité, tout en réduisant la circonférence, pour essayer de la faire correspondre au mieux à la zone où se trouvait le chalutier. Mais à chaque fois qu'il faisait cette opération, l'image s'éloignait du disque de ciblage parce que le petit chalutier bougeait constamment, ballotté comme un jouet dans les vagues déferlantes. Les pêcheurs ne s'étaient pas encore aperçus qu'il y avait 2 UFO au-dessus d'eux parce qu'ils possédaient une technologie qui les rend invisibles. S'ils avaient pensé à lever les yeux, ils auraient vu les formes des vaisseaux dessinées par la pluie et les nuages. Les 2 pilotes éteignirent donc leur technologie d'invisibilité et ils étaient maintenant visibles. Comme tout était chaotique, l'un des pilotes voulait s'adresser aux pêcheurs par radio pour obtenir leur coopération et rendre le sauvetage plus facile. Mais le chalutier avait perdu ses mâts et son antenne et il ne pouvait plus communiquer avec eux. Les pêcheurs dans le chalutier apercevaient maintenant les 2 UFO et ils agitaient un morceau de tissu pour se faire remarquer. L'un des vaisseaux spatiaux alluma sa lumière ventrale pour éclairer la scène. Les minutes s'écoulaient. Le chalutier sombrait dans l'océan. 3 des hommes furent montés à bord, puis enfermés dans une salle spéciale destinée aux personnes téléportées, où ils étaient dorénavant en sécurité. Sauver les 3 personnes restantes fut une autre paire de manches, car les 2 hommes et la jeune fille avaient vu leurs coéquipiers se dématérialiser comme par magie devant leurs yeux et ils étaient complètement apeurés. À ce stade, le chalutier chavirait à tribord et le corps du capitaine était sous l'eau. Comme il ne bougeait plus, il fut plus facile de le cibler et de les faire monter tous les 3 grâce au rayon tracteur et à la téléportation. La proue du chalutier resta visible alors qu'il sombrait, ses lumières toujours allumées sous l'eau, glissant doucement dans les vagues glacées de l'océan Pacifique. Dans la salle de téléportation où ils étaient enfermés, les pêcheurs étaient assis et essayaient d'aider le capitaine allongé par terre. Il était clairement en grande difficulté, et sa fille pleurait et l'embrassait sur le front. Le pilote de l'UFO s'adressa à eux par l'interphone et leur dit que tout allait bien et qu'ils allaient recevoir une assistance médicale. Les 2 pilotes mirent alors le cap vers le cosmoport andromédien Viera, qui est stationné à 490 000 km en haute orbite terrestre, juste derrière la Lune, qui est utilisée pour cacher la réalité extraterrestre depuis la Terre. Avec ses 811 km de long et quelques 300 km de large, 50 km de hauteur, c'est de loin le plus grand vaisseau spatial dans l'orbite terrestre, à l'exception de la Lune elle-même. À leur arrivée dans l'un des hangars du cosmoport, plusieurs officiers médicaux alfratiens, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des terriens, arrivèrent en courant en portant une civière. Dans la salle de téléportation à l'intérieur du vaisseau spatial, les pêcheurs étaient toujours assis par terre, avec le capitaine allongé, la tête sur les genoux de sa fille. Il était vivant, mais inconscient. Ils étaient tous en bonne santé, excepté le capitaine. Ils avaient tous souffert d'hypothermie, en particulier la petite fille, mais pas au point de mettre leur vie en danger.
Le capitaine, en revanche, avait eu une grave commotion cérébrale. Il respirait, mais ses poumons étaient remplis d'eau de mer. Il avait également plusieurs côtes cassées, dont l'une avait perforé un poumon, qui avait généré plusieurs hémorragies internes. Le personnel médical mit le capitaine avec précaution sur la civière et il fut sorti du vaisseau accompagné de sa fille Talia, qui marchait à ses côtés en pleurant et en chuchotant sans cesse « Ne me laisse pas toute seule, ne me laisse pas toute seule !» Le personnel médical emmena le capitaine jusqu'aux installations médicales andromédiennes et pendant ce temps, les quatre autres membres d'équipage, encore sous le choc mais en bonne santé, furent regroupés dans un coin du hangar de stationnement. Ils comprirent brusquement qu'ils se trouvaient dans un lieu étrange et inhabituel. D'abord l'un d'eux, ensuite les autres, se mirent à observer tout ce qui se trouvait autour d'eux, n'osant même pas faire un pas ou se déplacer. Ils étaient tous là plantés ensemble, paralysés, et l'un d'eux demanda « Où est-ce qu'on se trouve ici ?» Ils regardaient tout autour d'eux et toute la rangée des vaisseaux extraterrestres garés près d'eux et alignés en file indienne, et c'est ce qui attira le plus leur attention. Des vaisseaux, des objets et des équipements qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Ils touchèrent l'un des vaisseaux en se demandant si tout cela était bien réel. Finalement, l'un d'eux demanda s'il pouvait s'approcher de l'entrée du hangar donnant sur le cosmos. « Où est-ce que nous sommes ici ?» demanda-t-il. Le pilote répondit « Vous êtes dans un hangar du cosmoport biosphère andromédienne. C'est comme une station spatiale en orbite. » À l'extérieur, il pouvait voir un nombre infini d'étoiles dans la nuit noire de l'espace, si nombreuses et si claires qu'il n'y avait aucune ressemblance sur Terre. De grands vaisseaux étaient garés non loin, avec leurs lumières clignotantes et leurs fenêtres allumées. Ils virent une immense sphère ronde en métal, de couleur grise, avec des structures sur sa surface, qu'ils ne reconnaissaient pas. Ils la regardèrent perplexes. Le pilote leur dit « C'est la Lune ». Et de l'autre côté, même si ce n'était pas facile à voir au départ, il reconnut une belle sphère bleue et blanche, de la taille d'une grosse orange, à portée de bras, la Terre. Ils étaient stupéfaits, totalement abasourdis, choqués, les yeux écarquillés, et ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait ni ce qu'ils voyaient, car rien ne correspondait à ce qu'ils connaissaient sur Terre. Entre-temps, le capitaine et père de Talia avaient été scannés et le personnel médical andromédien l'avait immédiatement placé dans une nacelle médicale pour reconstituer ses organes, ses poumons et arrêter les hémorragies. Mais son pronostic vital était engagé. Talia était vêtue d'une veste Hello Kitty et portait un sac à dos rose de la même marque. Elle était trop préoccupée par l'état de son père pour s'apercevoir que les médecins étaient très grands et filiformes, qu'ils avaient la peau bleue et la tête chauve, et qu'ils étaient à peine humains. Les Andromédiens dirent que l'état du capitaine était critique et qu'ils ne pouvaient rien faire de plus pour lui. Il fallait seulement attendre que la nacelle médicale finisse son travail. Talia se calma, changea ses vêtements et le pilote lui fit faire le tour d'une partie du cosmoport. Tout lui semblait très naturel, elle était émerveillée, mais elle prenait tout calmement, du moins beaucoup plus calmement que les autres marins. Les enfants sont comme ça car ils n'ont pas autant d'idées préconçues que les adultes et ils sont très réceptifs. Le pilote la fit entrer à l'intérieur du cosmoport jusqu'au bord du premier lac
Elle était émerveillée de voir autant d'oiseaux qu'elle ne pouvait pas reconnaître. Et elle riait des écureuils pygmées qui couraient partout, à peine effrayés par les gens parce qu'ils ne sont jamais menacés par les populations extraterrestres qui sont non-violentes. Le pilote lui dit alors que l'endroit où elle se trouvait, ses forêts, ses montagnes couvertes d'arbres orange, vert et jaune et bleu, les animaux et les vaisseaux spatiaux qui volaient au-dessus d'elle, étaient à l'intérieur d'un très grand vaisseau spatial. Ce n'était pas une planète, tout cela était à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Puis elle fut emmenée à l'observatoire à ciel ouvert, tout en haut des 50 km de hauteur du cosmoport, et elle pouvait voir les milliers d'étoiles tout autour, comme des grains de sable lumineux. Même avec l'aide de la nacelle médicale andromédienne, son père, le capitaine du chalutier, n'a pas survécu plus de quelques heures. Comme les andromédiens le dirent alors, quand une personne a décidé qu'il était temps de partir, aucune technologie ne peut l'arrêter. Et il est donc décédé à bord du cosmoport. Talia n'avait plus aucune famille. Les pêcheurs furent raccompagnés sur Terre, chacun devant leur porte, et furent accueillis par leur famille, qui ne croit toujours pas qu'ils ont été sauvés par des extraterrestres. Pour eux, c'est toujours le miracle d'un dieu, de leur dieu. Talia, de son côté, décida de ne pas retourner sur Terre et elle vit encore de nos jours à bord du cosmoport. Il lui a fallu près de 2 ans pour qu'elle cesse de porter sa veste et son sac rose Hello Kitty auquel elle s'accrochait comme un souvenir, un passé de sa culture terrienne. Depuis, elle s'est émancipée et elle est heureuse de vivre avec sa nouvelle famille stellaire. Je vous retrouve très bientôt pour le volet 3 de cette série consacrée aux enfants terrestres et extraterrestres. La troisième partie présentera les dernières nouvelles sur le déploiement et l'implémentation du nouvel ordre mondial version 2.0 au travers de la jeunesse. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.